Comme ça, voilà, c'est beau. Voilà, ça, la... comme ça. Ça c'est avec une planche à main. Mais vas-y, mais perturbe-le. La quiche. Mais je slice à mort, ça marche pas. Monte. Mais oui, faites un truc, parce que là, il n'y a même pas, il n'y a rien, quoi. C'est dingue. Ça y est. Et Loulou, on y est. Fais le filet avec ton bras. Attends. Fais le filet avec ton bras. Ah, c'est dingue, ils sont déjà en train de poser des questions. Non, mais ils sont fous. Miami ? Sur Miami. Stop ! Non, mais oh, ça commence. Eh, il y en a marre, les gars. Dites, non, on y va. Vous avez remarqué un petit peu ce petit appartement ? Ah, on est plutôt pas mal. Mon Obésix, t'es bien, là. Quand il y a une belle cuisine, ça me rend bien. La prochaine fois, on jouera avec les casseroles. La piche, s'il te plaît. On va là-bas. Allez. Parce qu'on a une invitée. C'est... Bonjour. C'est moi qui m'assois à côté d'elle. Vas-y, fais la bise, dépêche-toi. Mais pas trop longtemps. Hein. Charlotte Gabas. Moi, Charlotte. Bah, moi aussi, je fais comme la mise. Moi, Charlotte. Mais Charlotte. Eh, vous avez vu quand même que j'ai mis le... Ah non, pas des lunettes. Non, mais quoi, je suis Miami. Une chemise hawaïenne. Hein. C'est Miami, quoi. Regarde les 5 minutes si ça te fait plaisir. Après, attends, je trouve ça très beau. Alors, attends. Tac. Est-ce que j'ai bien les questions qui marchent et tout? Tac, j'enlève le son. On parlera de ta chemise, quand même, Benoît. Il y a Manon qui nous dit coucou, les petits gars. Guillaume, où est le cannibale de balle? Il va jouer. Donc, je rappelle, vite. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Ah oui, ça, on est d'accord. Donc, on a Obésix. Hein, oui. Tu es prêt, mon Obésix? Je suis au top. La piche, t'es prêt? Je sais pas si je suis bien coiffé. Mais donc, on rappelle que toi, mon Obésix, à un moment ou un autre, tu vas nous apprendre quelque chose. Je vais essayer. Sur la tactique. Exactement. La tactique. La piche. Ouais, alors. C'est quoi, tu vas partir sur quoi, toi? Le parking de la mort à Miami. Le parking de la mort? Ouais. Il y a 30 ans, pile. Non! Dis rien, je veux rien savoir. Un truc de fou. Tu reviendras nous voir. Hein. Bien sûr. Charlotte Gabas, est-ce qu'on a besoin de la présenter, Charlotte? Parce que on parlait un petit peu avant que tu arrives. Et alors, il y en a un des deux, je vais pas dire lequel, parce que vous ça avez fera dit des du ordres. Mal de moi. Il savait même pas qui c'était Bianca Andreescu. Non, mais stop. Non, mais c'est honteux. Attends, je vais quitter les lieux. Donc, on a plein de trucs. Tu nous as fait croire que tu connaissais ses parents et que tu connaissais ses parents avant même que je connais tout, Bianca Andreescu. Tu savais pas qui c'était il y a deux mois. C'est dingue ou quoi? Bon, allez, il y a Bastien qui dit c'est très saccadé. Tu vas voir quand il va y avoir... Non, ça va être saccadé un peu plus. Ça manque de jante féminine, Guillaume Auger. Guillaume, t'es où, Guillaume? Guillaume, c'est une fille. Non, mais c'est dingue, ça. C'est presque la parité. Ah, oui, on n'était pas loin. Tu manques, il y a plein de gens. Il y en a plein qui disent que tu leur manques. On commence tout de suite. Il commence à dire des bêtises. Oui, parce qu'il commence à dire des bêtises. Donc on commence tout de suite avec le premier thème, le petit Louvre. J'ai piqué la balle, vous êtes plus loin. Ouais. J'ai imprimé les tableaux de Miami, moi. Non, mais je voudrais qu'on... Voilà, je voudrais qu'on parle un petit peu... Regarde, parce que moi, je connais... Ah oui, il y a beaucoup d'annotations. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce tableau des mecs à Miami. Ouais. Parce que là, j'ai presque envie de vous dire que, encore une fois, comme depuis le début de la saison... Mais je les connais, vas-y. Est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois un vainqueur qu'on n'a encore jamais vu depuis le début de cette année 2019? Il y a une stat de dingue. Depuis deux ans, un Masters 1000 sur deux est remporté par un nouveau. Depuis Rome 2017. Rome 2017, c'est Zverev. Depuis un Masters 1000 sur deux en moyenne, il y en a eu 7. Alors qu'avant, ça bougeait pas. 7 vainqueurs nouveaux sur les 15 derniers Masters 1000. Et avant, il a fallu 10 ans pour en avoir 7. Bon, avant, tu avais le Big Four, maintenant, ils sont plus que 3. Bah ouais, mais. Donc, non, mais en tout cas, c'est plus autant cadenassé qu'avant Masters 1000. Ça reste encore. Parce qu'il y a un changement de génération, on est sur une phase de transition. Et c'est le même constat chez les dames, d'ailleurs. C'est encore pire, là, non? On est sur une instabilité au sommet du tennis mondial. Okay, on ne sait pas qui va remporter le tournoi. T'as vu, c'est un recto verso, hein, si tu veux. Oui. Donc, on y va sur les gars. On est là aussi pour notre analyse, très pertinente, bien évidemment, sur le tennis. Est-ce que vous pourriez me sortir un gars qui va nous gagner Miami et peut-être un nouveau? Ah, peut-être un nouveau. Bah, parce qu'effectivement, la logique voudrait que ce soit une finale Djokovic-Federer. Mais la logique voudrait que ce soit Isner qui gagne. C'est lui le tenant du titre. Oh non, Isner, on en est loin. Et de la finale Djokovic-Federer, je pense qu'on en est loin aussi. Hein. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que Isner, pour vous, c'est impossible? Non. Alors, il est dans le quart de Djokovic. Hein, oui, on est d'accord. Hein. Donc, ce serait intéressant. Il l'a déjà battu plusieurs fois en Masters 1000. Et je voudrais quand même rajouter un petit truc, c'est que... Donc, nouveau stade, bien sûr. On est chez les Miami Dolphins. Surface très très lente, abrasive. Et je suis pas sûr que c'est avantage Jan Isner.
Donc c'est pour ça que je ne verrai pas John Isner aller. Qui nous a battu le John là, depuis le début là? Alors John Isner, vous avez battu Albert Ramos. Et Sonego, ça ne veut pas dire grand chose tout ça, hein, franchement. Pas vraiment de... Mais bon, voilà. Ouais. De performance significative. Albert Ramos. 7-5-7-6 contre Ramos. Ouais, c'est pas bon. Et on peut pas dire que depuis le début de saison, il c'était soit pas quand même... la folie. D'après, non, il faut noter la bonne tenue des jeunes, quand même, des next-gen, ou même ceux qui sont un petit peu plus vieux, en tout cas des natifs des années 90, depuis le début du tournoi. On a quand même Chapovalov, Rublev, Tsitsipas, on a Krajinovic, on a Oje Aliassime, Kyrgios, qui sont là, qui jouent plutôt pas. Krajinovic, je veux pas mettre Krajinovic en next-gen. Ouais, je le mets non, pas la next-gen, elle est natif des années 90. Ouais, ça reste un des jeunes par rapport aux autres. Il y a 25 ou un truc comme ça. Hein. Oui, 80. Avec un potentiel Chapovalov Tsitsipas. Mais d'accord, mais est-ce qu'un jeune de cet acabit-là peut nous gagner Est-ce que vous voyez un Rublev non. qui revient de blessure Le plus d'armes pour potentiellement chez les jeunes, j'ai envie de dire, c'est peut-être Tsitsipas, parce que voilà, il est sorti de son Australian Open, un peu plus d'expérience sur des gros rendez-vous comme ça. En dessous, il y a peut-être Chapovalov, mais depuis son fameux tournoi au Canada, mais qui est un peu en dessous, et Aliassime qui... Ça revient, ça revient. Donc moi, je dirais... Mais faut-on passer, il était cramé. Il était cramé. Ouais, mais là, il a pris un peu de repos après Indian Wells. Indian Wells, Indian Wells, il ne voulait plus entendre parler de tennis. Oui, mais il a dit qu'il avait besoin un petit peu de repos, mais ça va beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus jeune, il récupère plus facilement. Ça, tu vois Tsitsipas pour... Je ne le vois pas forcément gagner. Pour moi, ma grosse cote, c'est Nick Kyrgios. Parce que je pense qu'il est dans l'état d'esprit où tout est possible pour lui. Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'il n'a jamais cru, d'ailleurs. Mais attends, il adore. Dis-moi que ce gars-là a la capacité d'aller au bout. Je vous rappelle que la seule fois où il a fait une finale dans un Master 1000, c'était à Cincinnati. Regarde la météo. Ça va super vite, quand même. Regarde la météo à Miami pour ses prochains jours. S'il fait beau, déjà, tu peux t'assurer qu'il sera au bout. Et les horaires des jet skis, si tout est bien agencé, qu'il peut prendre du bon temps. Non, mais tu sais que tu as raison. Parce qu'à Indian Wells, tu ne peux pas faire de jet ski. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et même dans les grandes piscines. Il a perdu d'entrée. À Acapulco, il a fait du jet ski avant la finale, on en parlait, etc. Il était bien, il adore ce tournoi. Il y a de l'ambiance. Miami, il y a peut-être une ambiance qui se rapproche d'Acapulco un peu, avec un public qui répond favorablement à ses facéties. Il a été incroyable contre Lajovic, alors ça en énerve encore certains. Mais il a quand même viré un spectateur. Il a fait virer un spectateur. Oh, dis donc, il y a Douglas Ripper qui nous sort. Gauffin mériterait un gros tournoi. Oh. Gauffin. Ah bah il le mériterait parce qu'il a pas gagné un match depuis. Il revient de loin. Bah d'ailleurs, c'est pas un Gauffin Dimitrov là qui joue? Non, Tchekinato. Gauffin Tchekinato. Non, ils sont pas dans la même partie de tableau. Gauffin Tchekinato. Ah mais Gauffin. Tu peux l'avoir qu'en demi. Bah, après il vient de reprendre comme entraîneur Johnson. Mais après, Gauffin, depuis qu'il a eu son problème à l'œil, qui a fait très plaisir à Krajinovic d'ailleurs, le fait que Johnson aille du côté de Gauffin. Tu l'as vu à Indian Wells? Oui. Il a fait un... Toi, enfoiré. Personne ne pose des questions sur Kyrgios parce que je trouve qu'on a éludé un peu rapidement le sujet. Fabien, d'accord pour Kyrgios, il peut taper Djoko en demi. Non, moi je pense qu'il n'a pas la capacité mentale pour le bout. Guillaume Moget, Kyrgios, surtout pas mentalité détestable. Voilà. Qui est ce Guillaume Moget? Le débat est... Est-ce qu'il a un bon esprit, lui? Mentalité détestable. C'est l'un des sportifs les plus importants du moment au monde. On en parlera une fois. Mais Julien, on ne dit pas le contraire. Mais ouais. Moi, je te parle tennis pour aller chercher le titre. Mais c'est un génie tennisien qui est capable de tout sur un tournoi. On ne dit pas qu'il va confirmer tout au long de la saison et grappiller des places au classement ATP. Non, on dit qu'il est capable de faire un gros coup. Comme il l'a fait à Acapulco, il est capable, s'il a envie, voilà, s'il est en bonne forme. Là, il a l'air d'être dans un état d'esprit plutôt détendu, plutôt rieur, plutôt moqueur. Vacances un peu. Ouais. Il était en boîte de nuit. Après son match contre Lajovic, il dépose une vidéo sur les réseaux sociaux où il est en boîte de nuit. C'est lui-même, il se filme. Il n'y a pas que lui qui a fait ça. Plein de gens vont après le boulot, ça nous est arrivé aussi, Benoît. Jamais. Marat le faisait à son époque. Julien Gardel a fait. Moi, j'ai jamais vu. Julien alors. Quand il a gagné. J'ai croisé des joueurs en boîte de nuit. Non, mais ça, après une défaite. Ça, à la rigueur, c'est l'extérieur de Kyrgios. Non, mais moi je te parle de l'aspect pur et dur. Est-ce que ce gars-là peut se... Comment savoir, avec un mec aussi imprévisible, ce qu'il aura envie de faire contre ses prochains adversaires? Mais s'il se retrouve dans les derniers tours du tournoi de Miami sur le hard rock, c'est dur. Il n'a pas l'endurance mentale pour aller chercher le titre. Voilà. Ok, donc attends, Kyrgios, toi tu le vois gagner? Non, mais gagner, c'est peut-être... Kyrgios, tu le vois gagner? Après, il faut se lancer. Ah bah lance-toi, tu le vois. Eh bien, la 33e de Djokovic en Masters 1000, même s'il n'est pas au mieux. On en reparlera. Mais tu vois pas vainqueur, quoi. Parce qu'il se passe jamais ce que j'ai envie qu'il se passe. Donc voilà, non. Non, mais le mec il nous baratine pendant 5 minutes de Kyrgios, tu lui demandes est-ce qu'il va gagner le tournoi? Non, je le vois pas. Non, parce que là on est enregistré. Je vous rappelle que le Kyrgios va jouer Chorich. Et on ne parle pas de Roger. Est-ce que ce serait pas super
perdant de voir un Kyrgios Félix Auger-Aliassime. Le match de l'année, s'il se joue tout le temps. Mais c'est surtout une future opposition. Il y a Basilashvili qui peut... Basilashvili, il peut faire le ménage. Et tu sais ce qui va se passer, c'est que Kyrgios Tchouric, Basilashvili va battre Aliassim, et j'ai peur que Basilashvili, par sa puissance de frappe... Mais pourquoi t'as peur? Tu l'aimes pas? Mais par sa puissance... Il est déjà organisateur de tournoi, tu vois, il se dit purée. Basilashvili, en finale, je suis cramé, là. Par sa puissance et par sa lourdeur de balle, fasse craquer Kyrgios. Il fera peut-être un sourire comme ça, Basilashvili. Moi, je l'ai jamais vu. Alexandre Lecomte. Ça vous dit quelque chose? Ah, oui. Alex, le président des Aseftiens. Kyrgios va lâcher les chevaux avant la période sur terre battue qu'il n'aime pas. Ah non, il jouera à Houston et puis après on va pas le voir 3 mois. Eh ben c'est, donc c'est pour ça, c'est ce qu'Alexandre dit. Oui, il dit il va tout mettre sur Miami parce qu'après... Je trouve qu'il a une belle occasion de se faire des points. En plus, sa partie de tableau s'est dégagée, Nishikori out, il y avait mon fils dans ce quart de tableau qui a déclaré forfait, donc voilà, il y a de la place. On parle pas effectivement comme dit Charlotte, on parle pas de Federer quand même qui... Bon, c'est dingue. Même s'il a passé son premier tour difficilement... Personne ne parle de Federer comme... Est-ce que c'est plutôt en plus l'aspect comment se dire un peu exotique de voir un peu des jeunes arriver et qu'on a envie de voir des nouveaux visages aussi, c'est peut-être ça aussi. Federer, il joue Krajinovic qui lui a pris un set à balle, après il aura Medvedev qui lui a pris un set à Shanghai ou Opelka qu'à mon avis il n'a pas très envie de jouer, comme personne n'a envie de jouer Opelka, c'est clair. Et après Anderson qui l'avait battu vous voyez personne d'un petit peu bizarre. Medvedev et Anderson. Medvedev. Si, vous voyez Medvedev, on parle de gagner. Ah non, pas gagner, non. Non. Tsitsipas, peut-être alors. Peut-être. Ouais, oui. C'est dur, hein, c'est dur. La menace Tsitsipas. Ouais. Avec une finale Tsitsipas. Ouais. Et moi, je vais te dire, sans oublier, pour rejoindre Julien, Djokovic qui a monté en puissance, parce qu'on oublie un peu Djokovic, mais je pense que Djokovic... Non. Attends, il y a Alexandre qui dit, est-ce que vous aimeriez un acte 3 entre Tsitsipas et Federer en demi à Miami? Bien sûr. Oui, après l'Australie, après Dubaï alors. Là-bas au centre. Bah, effectivement, ce serait chaud. Et il y a Guillaume Mauger qui dit, Djoko est mentalement prêt. Non, n'est pas mentalement prêt, on ne le sent pas concerné, comme dans un autre monde. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à dire... mais justement, parce que Djoko va jouer... Venez avec moi. Allez. Djoko va jouer contre Bautista Agut. Et là, moi, ce qui m'intéresse, mon Obésix, ce serait que tu nous expliques un petit peu. Est-ce que Bautista Agut peut battre Djokovic? Et là, j'ai ma Bible qui va me dire tout de suite. Mais il l'a déjà fait. Voilà. Oui, à deux. Shanghai, mais tu disais, là, on en parlait une fois, tu disais, ah ouais, mais ça compte pas, Shanghai 2000. Mais non, parce qu'en 2016, Djoko n'y était plus à ce moment-là. Ah ouais, mais bon. Oui. Mais en revanche, il l'a battu à Doha cette année. À Doha cette année. Il l'a battu à Doha cette année. Alors imagine. Elle y était. Mais oui, j'étais. Oh bah oui, en plus. Alors tu l'écoutes bien, je crois que ça va. D'accord. Donc, avant la fin, tu nous as expliqué. Voilà, je vous ai expliqué. Comment Agut peut réussir à battre Djokovic? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Le point important pour Bautista Agut, c'est que, comme l'avait vu Charlotte, c'est que c'est un joueur qui est très très physique et qui marche très bien en début de saison parce que physiquement, c'est là où il est le meilleur. Son souci, c'est qu'il joue très souvent aux alentours des 3m50 derrière sa ligne de fond de court. Ah, c'est 3m50 ouais, ça ouais, c'est d'accord, okay. Ça, c'est... Ouais. D'accord. Ok. 3m50 derrière sa ligne de fond de court. Là, c'est mon petit Bautista Agut qui fait ce qu'on appelle sa zone de confort. Okay. Le problème, c'est qu'avec Djokovic qui va prendre la balle assez tôt, il va mettre de l'angle dans ses coups. Donc si tu es là, si tu es à 3m50, tu cours beaucoup plus de terrain. Tu couvres beaucoup plus de terrain et tu cours beaucoup plus. D'accord. Donc, ce qu'il doit faire, pour venir gêner Djoko, c'est de se rapprocher de sa ligne, jouer beaucoup plus près de sa ligne pour avoir moins de terrain à parcourir et peut-être même venir contrer Djokovic, comme il l'avait bien fait à Doha. Chacha, c'est ce qu'il avait fait à Doha? Il s'était rapproché de sa ligne de fond. Il était beaucoup plus près de sa ligne de fond. Et il était dans un timing absolument monumental. C'était lui qui finissait par prendre le contrôle de l'échange. Ben c'est ça. En fait, il joue à peu près pareil. Et physiquement, vraiment, il était au top. Hein. C'est il ce joue qu'on à peu près, j'ai envie de dire, à peu près le même style de jeu. Mais la différence, c'est que très souvent, Agut joue beaucoup plus loin. Donc, il faut qu'il se rapproche un peu plus de ta ligne pour couvrir moins de terrain. Et surtout, comme il sait très bien le faire aussi, de temps en temps contrer. Et ce qu'il avait fait aussi contre Djokovic à Doha, et ce qu'il fait de temps en temps contre les adversaires, même sur dur, c'est qu'il joue très bien les amortis. Très souvent, il vient casser le rythme par une amortie de coup droit ou une amortie de revers pour vraiment perturber l'adversaire. D'accord, mais là, tu es en train de me dire quand même qu'on a un Djokovic bis. Oui. Et qui fait logiquement, normalement, tout moins bien. Mm-hmm. Sauf que on se pose la question, Djokovic,
Tout dépend de Djokovic, en fait. Djokovic, moi, il m'impressionne pas. Je sais être perdu contre Dead Bonis, là, c'est pas... Oui, mais je me dis que Djokovic... Et puis, attends, il mène 5-2 dans le premier set. Il mène 5-2 dans le premier set. Il le gagne... Benoît, je te rappelle, toi, l'Australian Open, on dit, ah, il a perdu un petit set sur Medvedev, il a perdu un petit set par-ci, par-là. Mais Djokovic, ses tournois, il monte en puissance. Donc, je pense qu'il va monter en puissance. C'est pas le temps de monter en puissance, là. Mais il va se méfier de Bautista Agut, et c'est pour cela qu'il devrait battre Bautista Agut, même si pour la tactique pour venir gêner Djokovic, Agut doit vraiment se rapprocher, quitte à tenter, rater un petit peu, mais surtout pas jouer aussi loin de sa ligne de fond. Ça peut pas être une victoire à la Pyrrhus avec un match qui dure 3h15 ou 3h30 contre Bautista. Maintenant, pour parler de tête, il y en a plein. Est-ce qu'il a la tête au tennis? Et il y en a plein qui disent que c'est possible que Bautista. Juste un truc. Non, la vraie question, est-ce qu'il a la tête au tennis? Qui? Novak Djokovic. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de se disperser avec, avec l'histoire de l'ATP? Moi, je me dis qu'à Indian Wells, il a peut-être été un petit peu énervé avec l'histoire des Federer Nadal qui ont essayé de se mettre Mais là, il n'avait pas joué depuis un mois et demi quand même en compétition en plus à Indian Wells. Hein. Donc, je pense que cette coupure-là n'a pas forcément été bonne pour Djoko. D'ailleurs, je vous rappelle juste que Bautista Agut fait un début de saison d'enfer, comme d'habitude. Victoire à Doha, quart en Australie. Et quart en Australie, souvenez-vous de ces matchs de dingo en 5-7 contre Murray, Cilic. Dès le premier tour. Murray, c'était le premier tour. Et au deuxième tour, il fait encore un 5-7 de malade. Ouais. Et il continue à faire un beau petit truc, je sais plus où, et après, le mec est cané. Il est cané. Sauf qu'il revient. Et Bautista Agut qui a du souffle, ça peut être compliqué, quoi. On va voir. Mais okay. Voilà. C'est la tactique pour gêner Djokovic. Toujours est-il que... Morning, Mr. Melly. Ok, on a entendu, c'est bon, ça va. Donc, maintenant... Après, il y a point de pénalité, il y a 10 fault aussi. C'est vrai. Disqualifié, et là, on t'enlève le micro. Mais là, et là, maintenant, tu vois, comme on est en train de chercher un nouveau vainqueur de ce Miami 2019, on sait que le vainqueur de... il y a 30 ans... Ouais. Purée, il y a 30 ans, 89, t'imagines. En 89, bah d'ailleurs, tu vas nous raconter l'histoire. Nous raconter l'histoire. Mais c'est parce que moi, viens là, toi, viens ici. J'aime bien fouiller dans les archives photos. Attendez, parce que j'ai pris des notes. Imaginez, on en parlait tout à l'heure entre nous, de Tsitsipas. Imaginez, tiens, Charlotte, toi, t'avais que 3 ans, tu connais peut-être pas l'histoire du parking de la mort à Miami. Imaginez, Tsitsipas va en finale, là, à Miami. Samedi soir, après 7h30, il se fait renverser par une voiture sur le parking en rangeant ses affaires. Il est foutu pour le tennis. Pense-t-on alors? Imagine le choc énorme. C'est exactement ce qui est arrivé en 89. Après cette demi-finale, Thomas Muster, l'Autrichien, comme Dominic Thiem qui a gagné Indian Wells la semaine dernière. Ah ça y est, ils l'ont sorti. Il bat. Voilà, on va revenir à ça. Ah ouais, comment c'est la photo, c'est vrai que c'est la photo. Comment on arrive à cette photo? Comment on arrive à ça? Muster, il a 21 ans, donc l'âge en gros de Tsitsipas aujourd'hui. Il arrive dans le top 10. Il gagne énormément de matchs sur dur. Qui arrive dans le top 10? Muster. Avec cette finale à Kibiskay en 89. Mais qui y bat en demi? Yannick Noah en 5-7, il est mené de 7-0 parce que c'était 3-7 gagnants. T'en souviens de ça ou pas? C'était format Grand Chelem, 128 joueurs, 3-7 gagnants du premier tour à la finale. Ouais. Format Grand Chelem, Muster arrive en finale après avoir fait demi en Australie. Et d'ailleurs, attends, match épique contre. Je t'interromps deux secondes, tu sais que s'il tape Medvedev, qui est tête de série numéro 13 à Miami cette année, et ben en 89, Noah était tête de série numéro 13. Ah, il a travaillé. C'est pas énorme ça. En tout cas, quelques heures après sa victoire contre Noah, Muster fait la conférence de presse, le massage, etc. Et il est sur le parking en train de ranger ses affaires dans la voiture qui est chargée de ramener à l'hôtel. Et il y a un chauffard bourré qui arrive, voilà, les méfaits de l'alcool au volant, et qui prend sa jambe en sandwich entre sa jambe, son genou. Quoi? À Key Biscayne sur le site du tournoi. Non, l'ancien. Mais même, c'était sur le site du tournoi. Non, c'était pas sur le site du tournoi. Ils sont arrêtés en bagnole pour parce qu'ils étaient à 4 dans la voiture. Entre le parking et l'hôtel. Et voilà, entre le parking, à un moment ils s'arrêtent dans un endroit pour acheter un manger. Sur un autre parking. Ok. Et là, le Thomas, il a oublié quelque chose dans son sac, dans le coffre de la voiture. Donc il sort de la caisse, il ouvre son coffre. Et là, il n'a même pas le temps de réagir, il entend une bagnole qui arrive, il se retourne et il se fait coincer. Et là... Il se fait coincer, jambe prise en sandwich et déchirure du ligament. Toi qui aimes bien toutes les... Non mais ça te parle, c'est pour ça que j'ai une question pour vous tous après. Non, déchirure du ligament du genou gauche. 6 à 9 mois d'arrêt, pense-t-on à l'époque. Et on entend, j'ai revu les journaux télé, Stade 2, tout ça à l'époque, ils disent c'est un sérieux coup d'arrêt dans sa carrière. On parle de coup d'arrêt
dans sa carrière. Évidemment, lui, il ne veut pas y croire. Il veut continuer à se battre. Il y a Lionel Chamoulot qui va l'interviewer. Vous rigolez pas. Pourquoi enfin, tu... Qui va l'interviewer fin mai en Autriche. Et Muster dit, non, je crois que je vais pouvoir revenir. Je vais retrouver la totalité de mon jeu. Mais Chamoulot dit, ouais, il faudra peut-être encore attendre 6 à 8 mois. Donc, on ne reverra pas avant 90. Que nenni. L'été 89... C'est là qu'on arrive à cette photo. Il convoque les journalistes. Ça, c'est l'été 89. L'été 89 en Autriche, il convoque les journalistes. Vous avez vu bon, la chaise en bois, le plâtre, hein, le plâtre encore, là. Et on le voit hurler. Vous avez vu cette c'est pas de la rage, là, c'est de la souffrance, hein, totale. Hein. Oui, mais bon, tu convoques les photographes, justement. Les journalistes. Bon. Justement. Benoît, tu bossais à tes histoires. Il y a un peu de com. Moi, j'ai entendu dire, et ça m'a foutu un coup, parce que j'étais fan du gamin. J'étais fan de Muster. Est-ce que... cette photo a été mise en scène pour épater les photographes. Eh ben voilà. Là là non, mais là on ne sait pas. Il y a un souci. On sait que Ronnie Lightgeb, qui s'occupait de lui à l'époque, a confectionné ce banc. Juste pour la photo, peut-être. Et apparemment, on ne sait pas trop. Mais ça pourrait être une mise en scène uniquement pour la photo. Bon. Pour montrer le côté, parce qu'on l'appelait Musterminator. C'est après ça qu'on l'a appelé comme ça. Oui. Parce que c'est devenu un surhomme. Il a eu l'image de l'ultra viril, du surhomme. On en parle moins, mais il y en a aussi qui a fait ça. C'était Paul-Henri Mathieu. Quand il s'est fait au mais il n'a pas convoqué les journalistes pour faire une photo. Ben, voilà. Ouais, il y a eu une photo. Hein, l'idée avait déjà été prise. Mais après, quand on connaît le garçon, il est tout à fait capable de le faire. C'était un fou. Alors, accident 1er avril, il revient le 20 septembre. 6 mois. Okay. Julien, est-ce que c'est possible de revenir aussi rapidement après une déchirure des ligaments, après un accident? Alors après, on ne sait pas exactement l'accident, on n'a pas vu les images. Par rapport à ce que tu me dis, c'est que probablement la photo, c'est pas du pipeau. C'est qu'il a dû passer du temps sur le terrain. Il ne pouvait plus marcher. Il a une rééducation de malade. Ouais. Un an après l'accident, il revient dans le terrain. C'est possible. Hein. Quelle est cette théorie du complot? Non, mais parce que. Sous-entend. Ah non, mais. Non, parce qu'on ne sait. Enfin. Après, ce qui est arrivé dans l'histoire, c'était ce qu'il a vraiment été terriblement blessé du genou. Ah, on a fait peut-être d'une blessure. Est-ce que c'était pas si grave que ça? Voilà, c'était peut-être pas si grave. Quand tu vois l'impact de la bagnole qui a été prise en photo au moment où elle coince Muster qui est en train de fouiller. Ouais, mais quel aurait été l'intérêt d'en rajouter? Je termine sur un truc, parce qu'à l'époque, la presse est stupéfaite quand même. J'ai relu l'équipe de septembre 89, Barcelone, Philippe Maria est sur place. Voilà ce qu'il écrit. C'est assez drôle, c'est très court. Aux dernières nouvelles, la voiture ne se serait jamais remise du choc et rouillerait dans une décharge de Miami Beach. Muster, lui, va bien et les joueurs qui, depuis le début de la semaine à Barcelone, lorgnent sur son genou, ne décèlent même pas un raccord de peinture. Voilà, on s'amusait de ce retour extrêmement rapide. Et il faut savoir que cette année-là, Muster va à Rome avec les béquilles. Tu vois, pour montrer qu'il est toujours vivant et qu'il travaille, qu'il va y arriver. Et puis tous les autres lui disent, bon, ça va être compliqué, comment tu vas faire pour revenir? Je reviendrai l'année prochaine. Et je reviendrai et pour gagner. L'année d'après, il gagne Rome. Avant de faire demi, Rome. De toute façon, c'était un team. Oui, mais c'est effectivement un coup d'arrêt, parce que là, c'était avant la saison sur terre battue. Donc au final, avec Biscayne, il n'avait pas de points à défendre en 89 sur terre. Il rentre dans le top 10. Il aurait peut-être pu gagner Roland Garros dès 89. C'est l'année de Chang. Il y avait énormément de forfaits, il y avait beaucoup de surprises. Il aurait peut-être pu se frayer un chemin pour aller jusqu'au bout. Oui, mais Nadal aussi, il aurait pu gagner dès 2004. Hein, je sais qu'avec des six, je te fais aller en quart de finale à Roland Garros. Warning sur la piche. Pas mal. J'aime bien ça. Le parking de la mort. Et j'ai pris l'exemple avec Tsitsipas. On touche du bois. Rien lui arriver. Allez, venez avec moi. On va parler un petit peu des filles, là, parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé des filles. Et on a quand même Chacha avec nous. Ah, reprends ce canapé moutarde. Qu'est-ce que t'as fait des tableaux? Ils sont là-bas. Attends, j'y vais. Assieds-toi. J'y vais. Je vais attends, mais moi je l'ai aussi. Purée, elle m'a plié tous les trucs. Mais j'apprenais par cœur. Non, mais attends, c'est ce qu'on veut. Après, j'aurai un coup de cœur à vous donner. Ah. Sur les filles, je sais qui c'est. Bah, bien sûr. Tu vas me parler de la taïwanaise. Alors là, t'es de mauvaise foi. Parce que Kyrgios, tu dis, il s'entraîne pas, ça te plaît pas. Et si elle s'entraîne pas, et là, ça te plaît. Attends, parce que là, j'y crois pas. Non, c'est une joueuse qui ne se passe quasiment pas de. Elle s'entraîne pas. Mais comment elle fait pour tenir? Elle n'a pas d'entraîneur. Elle fait. Si, elle était avec un entraîneur français à Miami, Frédéric Agnère. Ah bah alors c'est nouveau, parce qu'avant... Il a dit, continue, tout le forward. Ah oh, ça se casse la gueule. Putain, purée, l'angoisse. Ce frayeur. Répare l'appartement un petit peu, toi. Mon coup de cœur, c'est pas forcément par rapport à ça. Mon coup de cœur, c'est que c'est là où, très intéressant,
les autres joueuses doivent réfléchir parce que c'est une joueuse qui est très fine et qui joue pas, qui joue tout à deux mains, qui est pas surpuissante. Ouais. Bah c'est 100 euros. Hein. Et elle arrive à battre. Non mais elle arrive à battre Osaka qui est numéro 1 mondiale, qui frappe très très fort. Et en fait. Non mais jamais elle doit perdre Osaka. Après, elle met 6-4, 5-3, ouais. Elle sert pour elle le match. 5-3, elle fait une double. Elle doit perdre. Elle perd. Mais elle doit jamais. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Il a raison. Jamais elle doit perdre. Elle a même le break en troisième. La capacité. Elle a le break en début de troisième. Oui, mais le style de jeu, le nombre de matchs où tu dois pas perdre et que tu perds. À un moment, c'est que tactiquement, sincèrement, elle joue avec sa tête. Au lieu de frapper, eh ben, elle utilise ses qualités. Et sans frapper fort, elle vient battre des joueuses. Elle va être 15 mondiales. Voilà. Moi, je trouve ça fabuleux. Est-ce que tu vois Sié gagner Miami? Non. Bon, est-ce que, parce que là, on partait sur les filles par rapport à ça, Kvitova, si elle gagne, pour la première fois de sa carrière, deviendrait numéro 1 mondial. J'imagine que c'est un petit moteur en plus. Quand encore même, une nouvelle numéro 1. Mais à l'Australian Open, c'était la même chose. Oui, d'accord. Enfin, jusqu'à présent, elle a pas réussi. Bah, elle a attendu combien de temps? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2012, elle peut être numéro 1 mondial si elle gagne sa demi contre Sharapova en demi-finale de l'Open d'Australie. Mmh. Et elle perd lamentablement, elle n'y arrive pas. Non, donc tu te dis c'est un arrivé moment, à simuler, mais il est pas possible. Il est fabuleux parce qu'il nous parle de choses. Il n'y a que des si dans tout ce que tu dis. Ah ben, eh oui, avec si, avec si, avec si. Bon, ok, Kvitova. S'il n'y avait pas eu le parking de la mort, Booster aurait fait le grand chelem en 89. Kvitova, vous la voyez gagner ou pas? Contre. Le tournoi, carrément. Bah, c'est loin. On attend loin. Quoi? On attend Kvitova à Alep. Mais Alep, elle est Vénus. Excusez-moi, mais Simona Alep, c'est pas la Simona Alep déjà. Que vous connaissez. Elle est loin de son meilleur niveau. Le bas du tableau, il est dégradé quand même. Et Andreescu, elle est où? Andreescu, elle est encore en lice, hein, donc elle a battu. Mais elle est cotée à Angélique Kerber. Non. Elle est en haut, elle est dans le quart de Wozniacki, de Kontaveit. Elle joue. Alors attends, Andreescu va jouer Kontaveit. Donc Andreescu. Sourire, non mais Sourire, tu la connaissais toi? C'est hallucinant. Alors, ce que je disais à Julien avant le début de l'émission, je la connaissais parce qu'elle a gagné les petits as quand elle avait 14 ans. Sinon, véritablement, pour être honnête, en début d'année, en janvier, Tu l'avais oublié un petit peu. Oui, je l'avais un petit peu oublié. Effectivement, attends, mais à Auckland, j'ai 178e oui, fin 2018. Un petit peu plus, 190. 190e. Arrête de me reprendre à chaque fois. Non, excuse-moi, sérieux, non, c'est très bien. Et moi, je l'ai connue quand elle a joué sa finale à Auckland contre Gorgas. Oui. Ok. Mais elle bat Wozniacki. Elle bat Wozniacki et Venus Williams. Elle a gagné 31 matchs. Mais après, Wozniacki, c'est difficile de savoir aussi à quel niveau elle se situe. Elle a aussi des petits problèmes avec la maladie. Non, mais il y en a une dont on parle très peu, c'est Plíšková. Moi, je dis ça, je dis rien. Sur dur comme cela. Karolína Plíšková? Bah ouais. Mais bien encore, Andreescu, juste pour. Il y a un gros silence après. C'est là qu'on voulait mettre des faux rires. Tu vois, je pose on n'a pas les rires. C'est pas quoi dire. Non, en plus, non, mais c'est tellement dense ce circuit féminin qu'on ne sait vraiment pas sur qui miser et qui choisir de. C'est pas génial ça? Alors je sais pas, je suis partagée. Alors moi je trouve ça très intéressant pour le suspense évidemment, mais c'est vrai qu'on a pas vraiment de joueuse qui sort du lot et qui arrive à confirmer d'une semaine à l'autre. Alors moi j'étais ravie du retour de Bencic, mais elle a perdu super tôt à Miami. Svitolina aussi a perdu très tôt, alors qu'elle est quand même une des joueuses les plus régulières quand même. Il y a Serena qui est là, mais qui déclare souvent forfait quand même. Voilà. Ah, Serena, est-ce qu'elle va réussir à en revenir? Est-ce qu'elle va réussir? Là on va arriver, on sait pas. Battue, hein. Et c'est la terre battue, t'imagines? Ce qui est dingue, il y en a plein qui parlent de Sié. Manon Petitpas, Eric a dit. Manon a dit elle est hyper maigre, c'est un truc de dingue. Eric, elle a un jeu complètement atypique. Il y a deux ans, elle a battu Konta au premier tour à Roland-Garros, Richard Oxdioff-Fox. Après, quid de Caroline Garcia, pourquoi pas un premier grand titre? Moi, je vous annonce la finale, hein, si vous voulez. Allez-y. Oh, vas-y. Il s'assure de lui et tout. Oui, bah oui, j'adore. Plíšková, il y a Richard Furie, c'est hyper dur. Oxdioff-Fox, qui dit Andreescu formé par Nathalie Tauzière. Elle a été coachée par Nathalie. Elle n'a pas été formée. Pas formée, mais elle a été coachée par Nathalie. Encore une fois, je ne sais pas si tout l'école le monde canadienne. Le sait, mais voilà, c'est toute l'école canadienne qui récupère l'école française. Qui est dirigée par Louis Borfiga depuis 2005, quand il a quitté l'INSEP. Luigi Borfiga, puisqu'on l'appelait Luigi. Oui. Ses origines italiennes l'ont fait. Mais tu l'as eu, toi, puisqu'il s'occupait du programme junior à l'INSEP en fait, de 90 à 2005. C'était pas mon entraîneur, mais je faisais quelques entraînements avec lui. Ah. Et il était dur ou pas? C'était un Georges Degnaud ou pas? Ah non, pas. Non, à l'opposé. Tu faisais trois coups droits dans le cours, il était content. Donc. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, Georges n'était pas content. Non. Mais bon. Je pense qu'il était même meilleur, j'ai envie de dire, peut-être pour dénicher des talents. Ah ouais?
et au niveau du management que sur l'entraînement pur et dur. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce qu'on rappelle que c'est quand même lui qui a déniché, enfin qui a déniché, qui a peut-être bénéficié aussi de la période dorée des mon fils, Tsonga, Deep. Carrière Stude. Énorme, carrière énorme. Oui, mais enfin, tout ce c'est cette fait, période aussi où il y a tous ces joueurs. Et est-ce qu'il découvre vraiment ses talents au Canada ou il est tombé sur Il a fait venir son équipe aussi. Il a fait venir son équipe aussi avec Guillaume Marx, avec Fred Fontan. Et je pense que il a ce qui est un peu dingue. La première chose qu'il a dit quand il est arrivé au Canada, c'était au moment où il y a un peu la réforme de l'entraînement en France. On a arrêté l'INSEP à Paris et la première chose qu'il a dit, il a dit vous arrêtez l'INSEP, vous allez plus avoir de bons joueurs pendant quelques temps. Eh ben, je parle de la relève. Hein. Ouais, ouais. Et effectivement, ouais, ouais. Elle n'est pas facile à arriver. Ah, voilà. Ça pourrait pas être l'année du Canada quand même, là, un petit peu, là, 2019. Là, clairement, on a Félix Jaliassim qui est en train d'exploser. L'année du tennis, là, l'année des Canadiens. Là. Donc attends, ouais. Vous seriez en train de me dire qu'André Chkou, elle peut le faire parce qu'elle a gagné Indian Wells. Ouais, André Chkou, là, elle est doublé Indian Wells. Ah non, tu l'aurais vu déjà aller en huitième. Contre Kerber, contre Begu, elle est menée. Elle est menée 1-7 et 5-1 au premier tour. Elle revient. 5-1, ouais. Elle sauve une balle de match. Elle sauve une balle de match. Sauve une balle de match. Après, elle bat Kerber dans un match qui a duré plus de 2 heures encore. Avec une poignée de main, sympa. Hein. Mais je vous rappelle, parce qu'elle l'a dit d'ailleurs, elle, ça fait pas mal de temps. Elle fait de la méditation. Elle fait de la méditation. C'est son grand secret. Technique. Alors ça, j'avoue que je n'ai pas trop compris. Mais apparemment, c'est pour travailler le fait d'être dans le présent. Oui. En permanence. Elle fait des visualisations. De la visualisation. La méditation créatrice, apparemment. Voilà. Où elle imagine déjà le moment où elle va gagner son match. Pour, voilà, sa journée, elle se projette dans sa journée, sur le machin et compagnie. Et... quand tu vois la finale contre Kerber, ou même la demi contre Svitolina et Indian Wells, au bout de d'elle-même. Hein. Elle bouge pas, quoi. Il y a une pression de dingue et elle arrive à te sortir des matchs de folie. Non, on fait pas ça par c'est non, l'enchaînement. Parce que c'est pas du hasard. Mais déjà, c'est surprenant qu'elle soit à ce stade de la compétition. Elle ait battu Kerber encore. Non, bien sûr. Moi, je trouve ça. Elle va jouer contre Tavit, qui a mis 2h30 à battre Tom Janovic. Le plus impressionnant, c'est l'enchaînement des matchs. Et ensuite, comme très souvent quand vous gagnez un tournoi, c'est d'arriver sur un autre site, des autres conditions, se remobiliser. Non, mais arrête de m'énerver, regarde. Se remobiliser. Mais regarde. Quoi? Elle va jouer contre Tavit. Je t'énerve pas. Après, elle va jouer la gagnante de Wozniacki-Sier. Alors, ça ne va pas? Déjà, Wozniacki, tu sais pas du jour au lendemain si elle peut jouer. Sier. Je suis curieux de voir un Sier. Sier André Skou, tu sais pas ce qui se passe. Après, elle serait en demi-finale. Contre Garcia, quoi ou Kvitova. Kvitova, Garcia, Barty, personne Bertens. Ne parle de Barty Bertens. Mais bon, Bertens... Barty, sa bête noire, c'est Kvitova quand même depuis le début. Personne ne parle. Pourquoi personne ne parle de Venus Williams qui gagne quand même pas mal de matchs? Parce que physiquement, parce qu'au service, c'est elle quand même... Pas, elle peut pas physiquement. Elle sert très très lentement. Alors après, elle est encore là. Hein, c'est, ouais, on oui, dit, hein, la Venus éternelle, elle est... Je sais pas, elle marche à 2 à l'heure entre chaque point, elle est l'impression qu'elle grappille de l'énergie entre dès qu'elle le peut, mais qu'elle est au bout d'elle-même. Alors elle a toujours cette puissance, ça va être vraiment intéressant. Hein. Puis quand tu regardes parce que Alep, elle est pas au mieux. Hein. Oui, mais la plupart de ses matchs, Vénus, elle ne gagne pas 6-2, 6-3. Elle est diesel. Donc c'est au fort. Vous avez vu quand même, on est incapable. On est jamais incapable de sortir un nom. Non, mais à Miami, et de rester chez les mecs ou chez les filles, là, je t'ai annoncé la finale. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as dit en finale, Pliskova? Pliskova, Kvitova. Oui, Pliskova, Kvitova en finale. C'est pas ça, Julien, c'est qu'on n'est pas d'accord. Enfin, on n'est pas là à dire. Et attends, est-ce qu'on parle un peu de l'Asie avec les deux Wang là? Oui. Yafan Wang et Qiang Wang, personne ne connaît dans l'absolu. T'es dans le top 20 quand même, Qiang Wang. À part ça, t'es capable de décliner leur identité sans répondre. Non, parce que justement, je n'arrive pas à les identifier parce que. Top 20, Yafan Wang qui a gagné le tournoi d'Acapulco. Ouais. Et il y a également Xifu Yang, Wang, pardon, le même nom de même prénom. Fait, c'est le prénom, hein, Wang. Ouais, Wang, c'est le prénom. Qui a 17 ans et qui était wildcard aussi. T'imagines? Et là, au niveau de l'Asie, quand tu vois ce qui arrive, c'est avec Osaka. Déjà. Mais vu les moyens qu'ils mettent quand même les Chinois et les Asiatiques, à un moment, il va falloir qu'ils en sortent. Hein. Alors chez les garçons, c'est encore plus compliqué, mais bon, chez les filles, effectivement. Ah, attends, j'ai bougé. Warning, Mr. Melly. Mais non, vous allez me changer de truc là, c'est pas possible. Non, au tennis, il n'y a pas 50 warnings. C'est warning, il y a des points de pénalité. On se pose 2 secondes. Je veux le nom du vainqueur et de la gagnante à Miami, là, dimanche prochain. Alors, on y va. Allez. Pliskova-Djokovic. Pliskova-Djokovic pour Obesix. La piche. André Escou pour la surprise de l'année et Djokovic.
Machin. Ah oh non mais Machacha. Il nous a bassiné pendant 15 heures. Mais je veux gagner mon prono, moi. Oh là là. La vache. C'est difficile, hein. Moi je reste sur Kyrios chez les hommes. Bah mais voilà, oh. Mais c'est ce que j'aurais aimé faire avec un peu de panache. Si j'avais des panaches, j'aurais fait comme toi. T'as pas de panache. Et bah André Hachkou, allez, le doublé. Le doublé qui met tout le monde d'accord et. Ouais. Bon. Et voilà. Oh là et là, là, là 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 là. C'est tellement n'importe quoi ce tableau. Bah écoutez, vous savez quoi? On va faire le quiz, je vais réfléchir. Oh non, voilà, c'est tout. T'en fume, alors attends. Bon. Alors oui, parce qu'on va vous faire un quiz. On va vous faire un quiz. Alors regarde. Attends. Donc, alors vous êtes trois, comment on fait? Je tiens avec Charlotte. Il est monstrueux, je suis pas bon. Ouais, allez, double mix. Le quiz, c'est pas mon fort. Charlotte et Julien, équipe mix. Attends, alors regarde, mettez-vous. Je me mets de l'autre côté. Ouais, t'es pas avec moi, toi. Ah pardon. C'est au premier qui répond. C'est au premier qui répond. Réfléchissez pas. Regarde. Oh là là. Séparation. Réfléchissez pas pendant une heure. Allez, on y va. Attends. Et on comptera les points comme au tennis. Premier à 6, c'est gagné. Ok. Vas-y. Mais attention, parce que Benoît. Tu tiens l'iPad et... Non, mais si vous pouvez m'aider. Bah attends, je suis tout seul. Non, je regarde pas. Ok, je le pose. De toute façon, je le pose. Allez, première question, les amis, c'est parti. Combien de fois le Serbe Novak Djokovic a-t-il remporté 6. Hop 6. 1-0, Benoît. À L2, combien de fois Serena et Venus Williams comptent-elles de titres? 11. 11, 8 et 3. 11, bravo. Bien cher. Superbe. Combien de fois l'Espagnol Rafael Nadal a-t-il remporté 0. 2-1 pour Benoît. Ça va vite, j'aime bien. En quelle année Federer a-t-il remporté le tournoi de Miami pour la première fois? 5. 3-1 Benoît. 3-1 pour Benoît. Il perd en 2004 contre Nadal. Attention. 3 jeux à 1 pour Benoît. Entre 87 et 99, quelle société spécialisée dans Lipton. Oh non. 4-1 pour Benoît. Avant. Quelle était l'affiche de la finale 2018 chez les dames? Osaka Kazakhtina. Faux. Non, c'est non. Osaka. C'est Stevens. Stevens. Oh mais non, c'était Indian Wells. Miami, c'est... C'est Stevens. Non, c'est trop tard, Benoît. Mais pourquoi j'ai pas le droit? Tu as donné une réponse. Stevens. Dépêchez-vous. Stevens contre qui? Allez, on accorde. Non, on accorde. Un demi-point. Un demi-point. Non, c'est pour Osaka. C'était Ostapenko, t'imagines. Ostapenko, c'est les messieurs. Plus dur. C'est les messieurs, quel est le dernier joueur non tête de série à avoir atteint la finale? Oh, la vache. Attends. Dis rien. Sébastien Grosjean. Non. Plus récent. Non, Grosjean, c'était en 99. Oui. Effectivement, il n'était pas tête de série. Il y a eu un cas au début des années 2000, durant la décennie précédente. Vous ne l'avez pas, on passait à une autre. C'était Guillermo Cañas en 2007. Non, Maria... ça compte pas, lui. Non, ça compte pas. Dopé, c'est la pharmacie. Donc c'est pour nous, c'est Grosjean. Allez, stop, 0 point, vas-y. Vous le direz à Cañas et au directeur du tournoi. Ça devient compliqué, là. Maria Sharapova n'a jamais gagné à Miami, mais elle a joué combien de finales? 5. Bravo, Julien. 4-2, allez. 4-2 ou 4-2,5. C'est à Miami que Federer et Nadal se sont joués pour la première fois. C'était 2004. En 2004. Nadal avait gagné. Quel était le score? 6-3. Il est fort, hein? Non. Il a révisé. Ça fait 5... On le sait. Attention, c'est une balle de match pour Benoît Mélin. Quel joueur a manqué cette année toi à Miami pour la première fois depuis 2002? Personne là. Feliciano Lopez? Non. Non, il joue. Non. Non, attends. Si vous l'avez pas, on passe à la suivante. C'est qui? Attends, tu peux laisser. C'est pas trop. Non. Mais non. Un joueur, voilà, sa femme était sur le point d'accoucher, c'est pour ça que... Verdasco, bravo. Non, on a dit que c'était trop long, purée. 5-3. Fernando, il a pas joué là? Non. Pour la première fois depuis 2002. Le tournoi de Miami est le premier Masters 1000 à avoir accueilli le Hokkaï. C'était en quelle année? 2012. Pas du tout. 2005? Non. 7, 8? C'était en 2006. Le nouveau central de Hard Rock Stadium peut accueillir combien de spectateurs? 13 800. Non, on annule, ça arrive en même temps. Oh non. Combien de fois Yannick Noah a-t-il atteint les demi-finales à Miami? 3. Oh, bravo. Bravo. Quoi, c'était une balle de match? 5-4 pour qui? Pour toi. Quelle est la dernière joueuse à avoir fait le doublé Indian Wells Miami? Serena Williams. Non. La dernière fois, le doublé... Azarenka. Bien, Charles. 5 partout. Dis donc, c'est pas à moi de répondre quand ils sont trompés, là? Bah écoute, tu n'as pas la réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, 5 partout, c'est pas grave. Bon. Qui a gagné le tour à messieurs qui a gagné le tour à messieurs en 90? Lendl? Non. En 90? Allez. Je t'ai pané. Allez. En 90? En 90? McEnroe? Non. En 90, c'est Sampras? Agassi. Oh, purée. En 96, quel joueur abandonne au bout de 3 jeux en finale contre André Agassi? Ivan Isevich. Il avait le torticolis. Victoire quand même. Purée. De Benoît Mélin. Purée. Ouais. Bravo. Oh, bravo. Attends, il y en a qui m'aidaient ou pas?
Ah oui, 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 oui. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, allez, on y va. Bravo, allez. Bravo, bravo. Bien, Chacha, Chacha, t'as du boulot. Bravo, et moi, il faut. Je regarde les questions, moi. Ouais, ouais. Il faut que j'aille me changer. Un petit changement comme ça, de derrière les fagots, quoi. Tu vois. Oh, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Pas mal, toi, il était bien. Ah, il était bien ton quiz. Ouais. Il y avait un petit peu de tout. Non, ah, c'était rythmé, c'était bien. C'était bien. C'était bien, hein. Hop, tac. Oui, c'était bien. Ah, ça, là, y a plus, c'est parce qu'il n'y a plus de... Oh. Oui, oui. Ah, Rafa, comment tu vas? Comment estás, Rafa? Oui, oui. T'es bien? Si. Rafa, c'est Rafa, quelle alegría, quel plaisir de vous retrouver, si. Et d'ailleurs, je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, ils font tout pour ralentir les surfaces. Hein? Vous avez remarqué? Hein? Sérieux? C'est vrai, hein? C'est vrai. Avec, d'ailleurs, à Miami, hein? À Miami, c'est pas Fast and Furious. Hein? Purée, les matchs sont aussi longs qu'un épisode du commissaire Maigret, mais avec Jean-Richard. Hein? Purée, c'est long, t'en peux plus, tellement c'est long. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'il n'y a que des crevards qui restent encore sur le jeu. Il y a Djokovic, mais il y a Ferrer, il y a mon copain David, 36 balais. Je crois que c'est quoi? C'est son 17e Miami ou un truc comme ça. Il y a João Soura, le portugais. Il y a Leonardo Mayer. Non mais tu te rends compte un peu. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut bien expliquer qu'en fait, les organisateurs, eux, ils veulent que les matchs ils durent le plus longtemps possible, qu'il y ait des beaux points, des longs rallyes, parce que les Yens, ils ont payé leur place. Et à Miami, dans le nouveau cours, là, ils rappellent que les premières places, là, elles sont aux alentours de 700 euros. Si tu veux la loge, avec la petite télévision et le beau fauteuil, je ne sais pas si tu as vu le beau fauteuil, là. Ça, ça coûte entre 70 000 dollars la quinzaine. 70 000 dollars la quinzaine pour aller voir ça dans des fauteuils d'avion où tu t'endors au bout de 2 secondes. Mais ça, c'est pour les champions. Tu vois, les petits joueurs, les gueux, eux, ils jouent sur les courts annexes à l'Open d'Australie. Les courts principaux, ils sont très lents pour les stars. Mais pour les petits joueurs, là, il faut que ça aille vite. Donc, ils te mettent sur les courts annexes, les petits joueurs, et des courts annexes qui sont beaucoup plus rapides. C'est le bordel absolu. D'ailleurs, Indian Wells, Miami, par rapport à la vitesse des cours qu'on a pu calculer, c'est quasiment, allez, j'exagère, mais c'est quasiment la même vitesse que sur terre battue. Ah, oh, mais moi, j'adore. Moi, j'adore, ça va m'aider, même si je suis blessé. Ça va me permettre de bien jouer. En revanche, pour Roger, je ne crois pas que ça va l'amuser très longtemps de jouer sur ces cours-là. Hein. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense aussi que, mine de rien, le central est toujours quasiment à l'ombre. Il faut le rajouter aussi. Le central de Miami? Oui. Ah ouais, carrément? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rafa. La crème. Oui, c'est Rafa. C'est Rafa. Formidable qu'on ait cité Jean-Richard dans une émission de télévision. Bien sûr. Mais c'est formidable. C'était inattendu. Non, mais spontané. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça me perturbe. Cette vitesse des cours, c'est quand même... On ne peut pas te prendre au sérieux. Mais si, tu peux. Non. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vitesse des cours? Après, la chose, c'est que c'est un nouveau club. Donc, automatiquement, que ce soit lent, c'est un peu normal. Parce que les cours n'ont pas vécu. Il n'a pas, pas plu, ils n'ont pas été joués, ils n'ont pas été travaillés. Le souci, c'est qu'ils auront le problème chaque année. Parce que. Se pose la question parce que c'est construit sur les parkings du site en lui-même des Miami Dolphins. Alors les cours de compétition vont rester, les 12 cours de compétition, mais les cours d'entraînement, les 18 vont partir, ils les cassent. Voilà. Tous les ans, ils les cassent pour remettre des bagnoles pendant les matchs de foot américain. Ils ont le Super Bowl l'an prochain. C'est simple, un cours c'est 15 000 euros. Comme ça. Oui, bon, enfin, si tu veux, Ross, le propriétaire des Miami. Ils ont déjà acheté pour 30 000 dollars de palmiers, là, pour regarder. 30 000 dollars de panier. Je vous rappelle qu'il a mis 500 millions au début pour remettre en état cette infrastructure de foot américain des Miami Dolphins. 500 millions. C'est plus que les travaux de Roland Garros. Non, mais là, tu donnais le prix des places dans les loges avec. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ça dépasse l'entendement. C'est dingue. C'est les sociétés. C'est dingue. Ce que j'expliquais à Julien pendant que tu parlais. Donc, elle t'écoutait. Alors que moi, je t'écoutais. J'écoutais, hein. Ils ont orienté. C'est bien, mon enfant, c'est bien. Ils ont orienté le cours central est-ouest, pardon. Alors que normalement, tous les cours sont orientés nord-sud. Pourquoi ils ont fait ça? C'est une obligation de l'ATP. Oui, et bien. Parce que la zone. Parce que les VIP. Ils ont fait en fonction des VIP, en fait. Personne n'en parle trop.
Mais visiblement, ils ont choisi l'orientation du terrain du cours central en fonction des loges. Des loges. Ouais, mais je te dirais que si le soleil ne rentre pas de telle façon à gêner les joueurs... T'as une heure ou deux heures de soleil, hein, ça s'arrête là. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais donc vous avez les loges là, qui coûtent la peau des fesses, là, qui sont, ils sont sur le cours. Hein. Ouais. C'est juste... Et après, t'as ceux qui sont au premier rang. D'ailleurs, c'est là que Kyrgios s'est pourri la tronche avec un spectateur. Et je sais pas si vous avez vu, il y en a dans les angles là, qui sont derrière les gradins, les tribunes démontables là, et qui regardent un peu comme ça de travers. Tu te dis, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouvez ça bien ça? Moi, j'aime pas. Avec ce Hard Rock Stadium, non, en énorme, c'est un peu... Moi, ce qui m'embête un peu, c'est le gigantisme du stade. C'est la propreté d'Indian Wells, mais c'est un US Open numéro 10. Dès qu'il y a un nouveau grand complexe aux États-Unis, on critique. Hein, quand l'US Open a changé de place pour aller à Flushing, on criait au secours en disant que c'était horrible. Oui, mais le problème, c'est que c'est tellement grand que tu regardes, tu n'as pas l'impression d'avoir... Un cours où c'est complet pour regarder les matchs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde en tribune. Le grand stand, ça va un peu. Ouais, mais t'as des trous partout, c'est tellement grand partout, il y a tellement de choses que je trouve ça... Alors après, les stades vides. Les joueurs sont quand même ravis parce qu'ils ont doublé la taille des vestiaires, même triplé. Apparemment, la zone d'échauffement est géniale, ce que m'a dit Sébastien Grosjean. C'est l'aéroport de Roissy. Non, mais apparemment, ils ont vraiment beaucoup plus de luxe et de confort, les joueurs. C'est quand même un petit peu ce qu'ils demandaient. Ma fille était comme, c'est moi, on veut du luxe. On veut du luxe. Mais non, mais et tout en rappelant d'ailleurs que les joueurs, peut-être par l'aval de Djokovic, vont créer un syndicat des joueurs pour avoir plus de pouvoir, pour avoir encore plus de fric en permanence. Et bien là, la Hard Rock Stadium, qui est aussi managé par IMG, qui est une grosse boîte d'agents de joueurs, leur donne plein de facilités. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une loge à eux pour les 8 premières têtes de série, une loge à eux. Où ils peuvent accueillir toute leur famille. Les anciens vainqueurs aussi. Mais tu te dis, mais là, on part dans des délires. Ouais, bah d'ailleurs, tu sais ce qu'il faudra qu'on fasse? On fera peut-être quand même une émission à un moment donné sur la réforme de l'ATP et de l'ITF. Parce que je pense que toutes les réformes qui ont été faites, qui potentiellement les gens ne voient pas ou n'entendent pas, parce qu'on regarde quoi? On regarde Miami, Indian Wells, les gros tournois. Ouais. Et ben, ça va appauvrir le tennis dans quelques années. Parce que je te la fais très courte, les règles. Et toi, tu me parles de des réformes de l'ITF. Tu me parles pas du challenger, des challengers si, et tout si. Ça aussi challenger, là, tout là-dedans là. Tout là-dedans, ça va appauvrir le niveau. Pourquoi? Parce qu'il est tellement dur maintenant pour rentrer dans le top 100 que qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs vont jouer de plus en plus vieux. Donc on va avoir des joueurs qui vont avoir 36, 37, 38 ans, peut-être un niveau de jeu moins intéressant, parce que pour rentrer dans ce top 100, maintenant c'est quasiment injouable. Mais de toute façon, tu ne peux pas rentrer dans les top 100 parce que tu joues contre moi, tu joues contre Rafa. Bon, et on vous rappelle juste que... On ne sait pas qui va gagner chez les garçons. On a noté qui a pronostiqué quoi. On ne sait pas qui va gagner chez les filles. En revanche, on a bien compris le délire tactique que doit faire Bautista Agut pour Matt Djokovic, grâce à OBSX. On a compris ce que c'était que le parking de la mort. Extraordinaire. Notre chacha nous a éclairé chez les filles. Enfin, éclairé avec une lampe torche. On ne va pas loin non plus. Et puis Rafa, il est content. Il est content parce que les surfaces sont plus courtes. Bon. C'est bon, les loulous? On a fait time. Cette semaine, on est pas mal. Hey, donc bon. Ça veut dire, on se retrouve tous les lundis. Lundi 17h. 17h, pour essayer de parler tennis comme ça. Non, hein, mais cette saison, elle va être géniale, la saison. On le sait en plus. Là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pronostiquer, on ne sait plus, c'est fini. L'époque où tu pronostiquais tranquillement, dès le lundi, on va y aller. Il y a un pote, il gagnerait. Bon. Mon combien de Roland Garros? 12e. Il n'y était plus. 12. J'ai gagné les 12. 12. Allez. À bientôt les tennistes. Ciao. Ah, ciao. Oh, c'était bon ça, j'adore.